Saint-Joanne, notre soutien. Il nous soutient en toutes choses, Jésus-Christ. Il ne délaisse jamais son peuple. Parfois, on se croit seul, on se croit isolé. Mais c'est Dieu qui permet cela pour mieux nous former, mieux nous parler. Le désert, il te met dans un désert, il t'isole, il te met à l'écart, seul, afin de mieux te parler, afin de mieux se révéler à toi. Parce que lorsqu'il y a la foule avec toi, tu entends moins sa voix. Lorsque tu es environné de personnes, tu es moins attentif à la voix de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est obligé de te mettre à l'écart. La solitude, il te met dans le désert pour mieux te parler, pour mieux te faire grandir. Il t'apprendra les choses que tu ignores parce qu'il veut que tu croisses, il veut que tu grandisses dans sa connaissance. La connaissance de Jésus-Christ. On prend un passage. Qu'est la parole de Dieu? Et tu viens, la parole de Dieu, c'est bon. Rappelle Exode 33. Rapidement. Exode 33. Yahweh donc dit à Moïse, va, monte d'ici toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, au pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité et j'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Éthiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens pour vous conduire au pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi parce que tu es un peuple au cou raide, de peur que je ne te consume en chemin. Voyez, notre Dieu est saint. Le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui nous a créés, il est saint. Mes amis, c'est pour cela que Jésus sur terre nous prépare. Il nous nettoie, il nous purifie, afin que nous puissions rentrer dans sa gloire. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Moïse voulait voir sa gloire. Moïse a vécu tellement de choses avec Yahweh. Yahweh, c'est Jésus, c'est la même personne qui le savait. Je suis. Et Jésus veut dire Yahweh sauve. Donc Yahweh est descendu pour nous sauver. Parce que l'homme avait besoin d'un sauveur. Par rapport à ses péchés, par rapport à l'enfer, à la mort, l'homme avait besoin d'un sauveur. Et Dieu nous aime tellement qu'il est descendu pour nous sauver. Notre sauveur est venu parmi nous. Pour nous emmener, nous ramener dans ce jardin d'Éden, dans cette gloire que Adam et Ève ont perdue. Moïse a vécu tellement de choses. Il a ouvert la mer Rouge. Il a vu des miracles terribles que Yahweh avait opérés en Égypte. Mais il voulait plus de Dieu. Parce que notre Dieu, il est infiniment grand. Les anges crient tous les jours, saint, saint, saint. Il est plus que trois fois ça, comme on dit. Notre Dieu n'est pas trois fois ça seulement. Il est plus que cela. On nous a trompés dans la religion. Il voulait voir la gloire de Dieu. Un enfant de Dieu a toujours besoin de voir plus de son Dieu. Nous ne sommes pas satisfaits. Je vous dis la vérité, on veut encore plus. On dit Seigneur, on veut encore plus de toi. Même si on voit des gens toucher, des choses se produire, des guérisons, ce n'est pas suffisant. Nous voulons Jésus. Moïse a vécu des miracles, mais il a dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il voulait autre chose, mes amis. Nos cœurs ont besoin de connaître Jésus. Voyez, la relation intime avec Yeshua. Et c'est ce qui nous préserve des embûches. On se rend compte de qui nous sommes. On revient à notre identité. Identité de fils. Et c'est ce qui ne connaissent pas Jésus, mes amis. Beaucoup se sont attachés au titre, mais ils ne connaissent pas Jésus-Christ.
Voyez mes amis, vous savez, Jésus est terrible. Vous voyez la sorcellerie ici là. Jésus brise vos flèches ici. Vous voyez, Dieu ne montre pas les choses ici. Dieu, il est terrible. Ils se sont réunis. Les fils de Dieu se sont réunis. Et la Bible dit que le diable, c'est ça, il est venu au milieu d'eux aussi. C'est-à-dire que là où il y a le peuple de Dieu, il y a aussi les émissaires du diable. Les satanés, les sorciers sont aussi là. Ah ben oui. Là, je t'ai vu. Je pense que Dieu ne montre pas les choses. Il ne faut pas nous blaguer ici. Jésus, il est Seigneur. Nous prions un Dieu qui est Seigneur, le Dieu qui est Seigneur. Nous prions le roi des rois. Mes amis, tout genou fléchit en ce lieu-là, on prie là. Tout genou fléchit. Au nom de Jésus. Mes amis, Moïse voulait voir la gloire de Dieu. C'est-à-dire que nous qui avons connu Jésus, on ne doit pas s'arrêter à ce que nous avons connu, vécu. On doit désirer plus. Désirer plus de son amour. Dieu va t'emmener dans des lieux, des endroits où tu seras dans le doute. Parce que tu vas te sentir seul. Mais il sera là, il te dit, il sera là. C'est lui qui te conduira dans ce désert. C'est lui. Afin que ta foi grandisse. Il va t'éprouver. T'éprouver pour voir si tu l'aimes vraiment. Parce que beaucoup disent aimer Jésus. Beaucoup disent aimer Dieu. Mais lorsque les difficultés arrivent, c'est là qu'on voit qui est qui. C'est là qu'on voit les vrais adorateurs. C'est dans les souffrances, dans la solitude, dans le secret. C'est là où on sait qui aime Jésus et qui n'aime pas Jésus. C'est terrible. Il dit au verset 3, pour vous conduire au pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, parce que tu es un peuple au courant, de peur que je te consume en chemin. Lorsque le peuple entendit cette parole de malheur, il prit le deuil et personne ne se revêtit de cet ornement. Car Yahweh avait dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au Coureg. L'homme est un peuple au Coureg. Il croit pour un temps. Il croit parce qu'il voit aujourd'hui. Mais demain, lorsqu'il ne voit plus, il commence à rebrousser chemin. Il commence à abandonner son maître. On voit dans la Bible les disciples qui suivaient Jésus-Christ. Beaucoup l'ont abandonné. Plus de 70, je crois. 70, hein. Enfin, un grand nombre l'ont abandonné. Ils ont laissé Jésus. Et quelques autres, quelques-uns ont dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Jésus a les paroles de la vie, mes amis. À qui iras-tu? Malgré tout ce que tu vis aujourd'hui, persévère. Parce que Jésus a les paroles de la vie. Le monde, les démons ont les paroles de la mort. Le contraire de la vie, c'est la mort. Ne te laisse pas enrôler par le monde. Ne te laisse pas enrôler par l'ennemi. Persévère dans tes souffrances. Persévère, te dit Jésus-Christ. Parce qu'il est là. Dans Hébreux 12, au verset 15, il dit quoi? Que personne ne se prive de la grâce. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce. Nous devons nous appuyer sur cette faveur imméritée. Nous sommes sauvés, nous parlons, nous adorons par la grâce, mes amis. En fait, le passage. Je vais mettre, non. Un Corinthien 12.
un passage qui est important. Tout le monde entend, on m'entend ? Un passage qui est important. Voilà. Tout le monde y est ? C'est important ce passage. Père, merci pour ta grâce, papa. Jésus-Christ soit glorifié. Merci, mon Dieu, mon Jésus. Amen. Oui, désirer plus, on doit désirer plus encore. Plus de sa présence, plus de lui, plus encore, plus. Comme Moïse l'a dit, Seigneur, dans le passage qu'on a lu, je le 33, vous pouvez continuer à la côte, continuer à la maison. On va Moïse dire, Seigneur, montre-moi ta gloire. Et Dieu lui dit, c'est pas qu'on est là-dessus, c'est important. Il dit, on ne peut pas me voir et vivre. Il dit clairement, on ne peut pas voir sa face et vivre. Qui veut savoir ça? On ne peut pas voir Dieu et vivre. Vous comprenez ce que je veux dire? Et dans Jean 14 là-bas, où Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et Jésus lui dit que celui qui m'a vu a vu le Père. En gros, celui qui m'a vu a vu Dieu. On pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, on ne peut pas le voir et vivre. Et là, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Vous savez, les Juifs là-bas, ils voulaient le lapider. Dans Jean 8, on voulait le lapider. Parce que les Juifs savaient qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Donc Jésus leur a dit clairement qu'il était. Il a dit, je suis. Et les Hébreux ont compris que là, ils se réclamaient d'être le Dieu qui s'est révélé à Moïse, Isaac et Jacob. Ils n'ont pas compris, mes amis. Très peu connaissent Jésus. Très peu réalisent que Jésus est c'est lui le Dieu véritable. C'est terrible. Il s'est caché dans ce corps humain. Ce corps était un voile pour nous protéger de sa sainteté, de sa puissance. Quel Dieu puissant, mes amis. Ils n'ont pas compris que c'était Dieu qui leur parlait. Que c'est Dieu qui devait leur montrer, mes amis, l'amour qu'ils devaient avoir pour leur prochain. Parce qu'ils étaient hypocrites. Ils étaient ancrés dans la loi de Moïse. Mais en eux, il n'y avait pas l'amour. Comme beaucoup aussi dans le monde, on voit des religieux, mes amis, mais ils n'ont pas l'amour en eux. C'est l'hypocrisie. Beaucoup. Une parenthèse, comme dernièrement, il y a un jeune qui nous a contacté et il nous parlait d'un groupe d'évangélisation dans le